Salut tout le monde, donc là je viens de rentrer de chez moi, je vais vous montrer. Bon, il y a du monde chez moi parce qu'il y a mes voisins qui sont là. Donc comme vous le savez, j'étais à Paris. Voilà, je vous laisse vous montrer ce qui s'est passé. Ma mère, on m'a volé, regardez. Ils ont tout pété, je vais tout vous montrer là, t'es devant. Putain. La vie de ma mère, les gars, je suis dégoûté sur la vie de ma mère. Ça me dégoûte. C'est même pas le matériel, moi, qui me casse les couilles. Tu sais, c'est quoi? La tête de ma mère, ce qui me casse les couilles, c'est que les gens, ils sont rentrés chez moi. L'intimité, tu vois ou pas? Donc là, ils ont pété ma PlayStation 5, qui était là. Ils ont pété, je pense, ils ont pété des manettes, la Switch. Ils ont pété la PlayStation 5, la PlayStation 4, la PlayStation Xbox. Ils m'ont volé toutes mes chaussures. Voilà, il y a de la poudre partout parce qu'en fait, ils sont rentrés, ils ont balancé de la poudre pour enlever les empreintes. Regardez, je vous montre, hein, je m'en fous, je vous montre l'intimité. Ils ont fouillé dans... Voilà. Voilà. Ils ont fouillé, ils ont pas pris les bagages Louis Vuitton, je sais pas pourquoi, bref. Ils ont mis des trucs sur toutes les poignées. Ils ont retourné le truc, ils ont fouillé partout. Voilà. Putain. Et le pire, le pire du pire... Je vais voir juste un truc... Donc ouais, là ils ont fouillé quand même partout. Et le pire c'est là. Donc je vous le dis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Putain, sonné les mecs, c'est pas une vidéo. Bon, il marche plus, on peut plus ouvrir le store. Bref, du coup, donc ils ont volé un MacBook qui était là. Ils ont volé mes deux PC. Mon gros PC, je vous le dis actuellement, je peux plus faire de vidéos. J'ai même plus en acheter pour le moment. Ça coûte tellement cher. S'il y a des marques qui passent par là qui veulent nous aider, bah avec plaisir, parce que je peux plus faire de vidéos, je peux plus rien faire. Je me sens violé en fait. Ils ont fouillé dedans. Voilà, ils ont tout. Putain. Voilà. Ils ont fouillé partout. Ils ont pris une Switch qui était là. Ils ont pris toutes mes caméras, ils ont tout pris. Ils ont tout pris dedans, ils ont fouillé. Le pire, c'est qu'en plus, regardez, il y a de la saleté partout, du bleu partout. Ils ont fouillé, ils ont laissé les écrans, je sais pas pourquoi, ils ont laissé ça. Ils ont pris vraiment ce qui les intéressait. Ils ont mis de la poudre, ils l'ont jeté, en fait. Je suis dégoûté, je me sens violé dans tout ça. C'est horrible. Voilà. Ils ont pris la Switch, ils ont tout pris. Hein. Ils ont pris tout, la Switch et tout. Mes caméras et tout. Là, il y a des traces de doigts, je vais pas y toucher parce que du coup, ça se trouve, c'est des empreintes, j'en sais rien. Ça va, c'est que du matériel, en fait, en soi, c'est que du matériel. Mais ce qui me casse les couilles, c'est que... Bon, on se sent violé, en fait. On se sent violé. Jusqu'aux toilettes, ils sont partis fouiller. Regarde-moi ça, frère. Alors, vous allez me dire, oui, t'as qu'à pas exposer ta vie sur les réseaux. Le problème, c'est que je le fais très rarement. Et en plus de ça, je vais pas m'arrêter de vivre pour les gens. Je peux pas. Putain. Putain. 6 ans de travail, frère, pour ça, la tête de ma mère, ils m'ont pété à mon PC, je peux plus travailler. C'est-à-dire, je pourrais même pas continuer à payer la maison. Je peux rien faire pour le moment, je suis baisé. Regarde, jusqu'au garage et tout, ils sont passés. C'est abusé, la vie de ma mère, je suis dégoûté. T'es mal à saleté, la fenêtre, elle est pétée, on peut même plus la fermer. Ils ont pété à la clé, parce que je l'ai pas dit dans la vidéo, mais ils ont pris la Clio, ils l'ont cramée. Ils ont pris la Clio, frère, ils sont non servis, ils sont partis la brûler plus loin. La vie de ma mère, que c'est horrible. T'es ma frère, les sacs et tout. Ils ont fouillé jusque dans les sacs. Bref. T'es ma, on peut... Regarde-moi ça, frère. Putain. Bref, du coup, je sais même pas quoi faire. Si je peux plus faire de vidéos, je suis deg. Je peux plus faire de vidéos, je peux plus rien faire. J'avais des vidéos qui sont programmées, je vais pouvoir les sortir. Mais sinon, je peux plus, j'avais des vidéos à faire,
J'avais des vlogs à Dubaï, j'ai tout perdu, j'ai perdu le PC en entier, j'ai perdu tous mes trucs. Je sais même pas comment faire. En fait, c'est tout simple, ils sont sortis par là, déjà, donc ils sont sortis par là, et ils ont fait quoi? Ils ont dit quoi, les gendarmes? Ouais, ils ont laissé ouvert, donc déjà, c'était bizarre. Et ils ont pété les volets là. D'ailleurs, les volets de la setup ne marchent plus. Hein. C'est vrai? Et ouais, ça veut, je sais pas, ils ont essayé d'ouvrir ou quoi pour le PC, je sais pas. Mais donc, ouais, donc là, il y a de la truc partout. Donc la fenêtre, elle est totalement pétée. On voit le pied de biche qui était là. Ouais. Donc ouais, il n'y a aucune. Franchement, la tête de la mer, tu sais, même si c'est des voleurs et tout, ok, c'est pas bien de voler dans tous les cas. Mais moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est quoi? C'est l'intimité, c'est d'aller fouiller jusqu'à dans les sacs, dans les caleçons, des trucs comme ça. Tu sais, tu veux la PS5, nique sa mère, c'est une PS5, j'en rachèterai, c'est pas grave, tu vois. Là, le truc, c'est que là, ils ont volé mon travail. Ça veut dire que c'est mon travail de faire des vidéos, de faire des trucs, c'est mon boulot. En plus, moi, je me casse le cul, ça fait 6 ans, frère, j'ai le même PC parce que c'est mon premier PC. La Clio, frère, ils ont pris une voiture, ils l'ont brûlée. Ils ont brûlé la Clio. En fait, moi, ce qui me casse les couilles, c'est que t'as vu, moi, à la rigueur, c'est pas grave, c'est que du matériel. Mais moi, ma meuf, en fait, son problème, c'est qu'elle, frère, elle a payé avec ses moyens d'école à l'époque. Elle a mis toutes ses économies dans un MacBook. Elle a mis toutes ses économies dans une voiture qui sont parties. Ils ont pris, en 2 secondes 5, ils ont flingué tous les trucs. C'est pas grave, nous, on a assuré, Dieu merci. Mais moi, ce qui me casse les couilles, là, c'est plus l'intimité. C'est la valeur, tu vois. Toutes mes photos sur mon MacBook, c'est tout terminé. Moi, je m'en fous de l'argent, ça se récupère, c'est pas grave. Ouais, on récupérera, c'est pas grave, tu vois. Là, le problème, c'est que là, elle pourra un gros PC. En plus, les cartes, elles sont en rupture de stock. Je sais même pas comment je vais faire pour continuer à travailler. Je sais même pas si je vais pouvoir faire des vidéos ce mois-ci. J'avais des trucs à faire. Je sais même pas quoi faire. C'est la vie de ma mère, j'en sais rien. Il y a des traces de doigts. J'espère juste que maintenant les gendarmes vont bien faire leur travail et voilà, en tout cas, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui enverront des messages de soutien, merci beaucoup. Mais là, je suis désolé, voilà, je serai plus actif sur YouTube. En plus, je suis revenu, t'as vu, j'ai acheté une nouvelle caméra et tout. Je me suis fait péter toutes mes caméras, mes GoPro, tous mes trucs. Je suis dégoûté, bref. Je vais pas faire une vidéo qui dure 40 ans ou quoi, mais je sais pas quoi faire. En fait, ils ont même brûlé une voiture. Là, le problème, c'est qu'ils ont les clés de mon autre voiture. C'est-à-dire là ce soir il faut je vais rester réveillé, tous les soirs je vais rester réveillé. Ils ont un double des clés, frère, de ma voiture, c'est-à-dire à tout moment ils prennent la Peugeot, ils se barrent avec. Ouais, je crois. Bref. Non mais. Ouais, y a plus. Ils ont tout pris. Clio, ouais. Ils ont balancé du truc là, on va devoir tout nettoyer, frère, on se casse le cul à nettoyer et tout. C'est. Bref, en tout cas, je suis dégoûté parce qu'en plus je passais des putains de bons moments avec ma mère et tout, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Je vais sur Paris. C'est un prank, c'est pas possible. Ouais, même moi au début, j'ai cru que c'était vraiment une caméra cachée ou un truc comme ça. Et après, quand tu m'as appelé et tout, tu m'as dit que c'était ouvert, j'étais pas bien. Je me suis réveillé, j'ai pris la route. Regarde, j'ai roulé à 200 tout le long et tout. Bref, surtout, il y a plein de choses qu'on vous dit pas à vous, parce que pour le moment, on peut rien vous dire, mais il se passe des choses aussi dans notre vie personnelle. Et c'est vrai que ça peut jouer. Il y a plein de trucs. Bref, du coup, je vous laisse la famille. Merci ceux qui soutiennent et tout. Si vous avez des informations de qui ça peut être, etc. Si vous entendez parler quoi que ce soit, les gens qui savent à peu près la ville où j'habite ou autour de Clermont-Ferrand, etc. Si vous voyez des PS5, une 1080, mon PC, vous le voyez, vous connaissez quelqu'un, donnez l'information, c'est très important et aidez-nous. Tu vois, ils ont même pas pris la carte, Théma. Les gars, ils ont laissé la carte. Bande de chiens, putain.